Salut tout le monde, c'est Mas et je viens de recevoir un petit colis là qui me vient d'Espagne. Et donc c'est le scanner DKL Pro. Donc j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. C'est Frodo Alvarez là qui a créé cet outil et qui le vend. Donc là c'est des accessoires avec le petit DKL gravé là sur les outils. Je suppose que c'est encore un accessoire, encore avec le petit DKL, vraiment très cool. Ça a l'air d'être plutôt solide, ça bouge pas mal, ce qui va nous permettre pas mal de choses. Ah cool, un joli petit mot de l'ami Frodo. Avec une petite composition qu'ils ont fait pendant le confinement, si je me souviens bien. Très cool, accroché chez moi. Ça, il me semble que c'est encore un accessoire. On va finir par les accessoires, du coup. Il y a pas mal d'accessoires, toujours le petit décal dessus, bien stylé. Et encore un autre qui doit potentiellement se mettre sur celui-ci. Ok, donc là maintenant... Et ça va être autour de la lampe. Ça va. Du coup, déjà donc dans sa petite pochette, donc plutôt cool pour transporter, pour pouvoir la ranger. J'aime assez bien aux couleurs de Frodo, il me semble qu'il vient le vert. Alors donc du coup on a une petite télécommande RVB. Je suppose que ça va nous permettre de changer les modes pendant l'utilisation de la lampe. Et la fameuse lampe, la scanner DKL Pro. Donc voilà, l'engin. Donc c'est plutôt intéressant dans l'esprit. Il y a de la LED, il y a de la cob, il doit y avoir du blanc chaud, du blanc froid. Il y a un putter ici. Et ici on a un petit interrupteur. Puis trois autres interrupteurs calés ici. Et pour finir, donc du coup, on a un bouton on/off. Puis la batterie. Du coup, toujours avec le petit DKL, bien stylé, moi j'adore. C'est un bel outil. Et du coup, on va tester tout ça. We'll be right back.